viendra. Mets-toi debout. Tu vois pas. Voilà. Tu vois pas assez. Voilà, tu fais les doigts. Les mains. Oui. Les mains. C'est des grandes mains. On les voit. Avec des doigts de pied, des doigts de main. Mais pourquoi non? Pourquoi j'ai le droit de faire sur ta peinture? C'est ce que je te demande. Je m'appelle Vincent Corpé, je suis né et je vis à Paris, et je suis artiste qui se sert de la peinture. Je pense qu'en fait il existe deux sortes de peintres, les peintres qui servent la peinture et ceux qui se servent de la peinture. Et je ferai plutôt partie de cette deuxième catégorie. Disons que ça pourrait vouloir dire ne pas être dans ce qu'on appelle la cuisine de la peinture. Ça veut dire ne pas être en train de la regarder pendant qu'on la fait. Ça veut dire être maître du jeu. Alors ce propos sur se servir ou être au service, je pense qu'on peut le modifier un petit peu en parlant de ce qu'on appelait à une époque les fresquistes et les peintres de chevalet. Le fresquiste, lui, il a quelque chose à faire en peu de temps, il le fait, c'est lui qui décide. Il n'a pas le temps parce qu'il faut que la matière reste molle, alors que le peintre de chevalet, il fait quelque chose, il le pose, il s'assied devant, il regarde l'objet, la peinture, et il attend qu'elle lui parle ou qu'il y ait un retour. Moi, la peinture ne fait pas de retour chez moi. Ça m'a permis d'éliminer, et ça dès le début, une des notions et une des pratiques de développer un goût et donc un style. Je suis juste en train de régler un problème que je me suis créé, que je suis incapable d'ailleurs de formuler plus que ça, et une fois qu'il est réglé, vaille que vaille. Thank you.
Quand je parle de peintres qui servent la peinture ou de peintres qui se servent de la peinture, on peut essayer de trouver quelques exemples. Des gens comme Michel-Ange, des gens comme Picasso, des gens comme David Hockney, sont des gens qui se servent de la peinture. Ceux qui servent la peinture, ça serait des Lucian Freud, ça serait peut-être Titien. Il est vraisemblable que ceux qui ont travaillé à Chauvet ou Lascaux ne servaient pas la peinture, ils s'en servaient. Alors la question de savoir à quel moment on devient un artiste, chez moi, a été résolue d'une manière très simple, parce qu'en fait, c'est arrivé le jour de mes 20 ans, pas la veille, donc le 20 mars 1978. Auparavant, je n'avais jamais fait de dessin, jamais fait de peinture, je ne m'étais jamais intéressé à ce qui se passait dans les musées ni dans les galeries. Je faisais du bateau, de la mobilette, et j'avais plus ou moins exercé pendant un très court laps de temps la seule activité que j'ai faite en étant salarié, c'est-à-dire vacher. Et puis le jour de mes 20 ans, sachant que j'avais à peu près tout raté, que j'avais vraiment pas compris justement où était mon utilité dans la société dans laquelle je vivais, je me suis dit que la seule porte de sortie pour me permettre d'exister, c'était de devenir artiste. Donc je suis devenu le jour de mes 20 ans. Et j'estime que vraiment, dès ce jour-là, je suis le devenu. Ha ha ha!
Je vais me laver les mains.